La Ajaccio 3e accueille Rodez 13e. Les Corses restent sur une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les 4 matchs précédents. Une amélioration donc à confirmer. Bayala et Nouri sont présents dans l'équipe titulaire. Eric Drissi et Jean-Philippe Crasso devant. Ajaccio qui est la première équipe en action. Va le récupérer sur le côté par Marchetti. Le centre, la reprise de la tête et la superbe parade du gardien de but de Rodez, Lionel Passinzao. Bonne première opportunité pour Eli Drissi. Rodez de son côté reste sur 8 matchs sans victoire, 5 nuls et 3 défaites. La situation n'est pas idéale pour les Ruthénois. Dembélé et Williamson sont titulaires, mais on ne voit pas les attaquants de Rodez. Ceux de la Ajaccio sont beaucoup plus en forme. Jean-Philippe Crasso marque le but du 1-0. Très jolie réalisation pour Crasso. C'est son premier but sous les couleurs de la Ajaccio. Le joueur prêté par Saint-Etienne permet à son équipe de vite mener 1-0. La réponse de Rodez est un peu timide, même s'il y a ce tir cadré directement sur Benjamin Leroy. L'action n'est pas terminée avec un centre et la reprise de la tête au deuxième poteau. La passe de Le Borgne pour trouver Arni Williamson. L'attaquant islandais arrivé au mercato hivernal marque déjà son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Égalisation ruthénoise à la 33e minute, un partout entre les deux formations. La Ajaccio est donc en passe d'être tenu en échec dans ce match jusqu'à la mi-temps, mais il reste cette action dans le temps additionnel de la première période. La superbe frappe de Riyad Nouri. 2-1 pour la Ajaccio juste avant la pause. Les Corses reprennent à l'avantage. Bonne passe de Cyril Bayala dans une bonne zone. L'international burkinabé trouve Riyad Nouri pour un 7e but cette saison. Et la Ajaccio mène 2-1. Pour l'équipe corse, c'est le score à la mi-temps. Rodez avait réussi à égaliser mais s'est fait surprendre sur ce but de Nouri. Il y a donc toujours un but de retard pour les visiteurs et la bonne opération est clairement pour les Corses. Il reste toute la seconde période à disputer. Olivier Pantaloni sait que son équipe n'a qu'un but d'avance et doit tout de même se méfier. La Ajaccio va de l'avant avec ce nouveau mouvement de qualité. Et ce ballon sauvé encore par Lionel Passinzao, le gardien de but de Rodez, est sollicité mais résiste. Nouvelle bonne attaque pour Eli Drissi, mais ça ne passe pas. Dernier quart d'heure quasiment de la partie. Et nouvelle attaque pour la Ajaccio. Rodez a du mal à se procurer des occasions. Au contraire de la Ajaccio avec ce centre, le ballon est tout proche du but. Le travail sur le côté du latéral gauche de l'équipe, Ismaël Diallo. Et une nouvelle action qui ne donne pas de but, mais le chrono tourne en faveur de la Ajaccio. Les Corses qui résistent jusqu'à la fin du match. Jamais Rodez ne parvient à égaliser. Victoire de la Ajaccio, 2-1 contre Rodez.